prenez garde au grand méchant loup. Méfiez-vous, le voyou, il prépare avec ses yeux doux un petit coup en dessous. Mademoiselle, dès ce soir, peut-être allez-vous le voir. Le monocle à l'œil aux mains gants de peau, ayant tout l'air d'un vieux beau. S'il vous invite à goûter, ce n'est pas pour prendre le thé, mais pour essayer dans l'ombre à tâtons de vous prendre le menton. S'il vous dit après, l'air est si frais, venez donc respirer, c'est qu'il a le projet de respirer votre fleur d'oranger. Mais mieux vaut la conserver pour le mal qui vous rêvez. Aussi je viens chez vous, chez votre papa, à moins que vous n'en ayez pas. Ah ah ah, quant au satyre, il n'aura qu'à partir. Ah ah, prenez garde au grand méchant loup. Méfiez-vous de ce voyou, il prépare avec ses yeux doux un petit coup en dessous. Faut pas croire à ses boniments, il vous ment, et comment. Fichez-lui pour tous ses bobards le pied quelque part. Vous, monsieur, vous receviez hier au soir un financier qui vous proposait un paquet d'actions d'une mine de saucissons. Un autre est venu vers midi pour vous offrir lui aussi des bons du crédit de Costa Rica et des tramways d'Alaska. Mais ce regard aigu, c'est dans pointu, vous n'avez donc rien vu hier comme aujourd'hui sous cet habit. Mais c'était lui, tous les jours des imprudents viennent tomber sous sa dent. En vitesse il a croqué l'animal, intérêt est capital. Prenez garde au grand méchant loup. Méfiez-vous de ce voyou, il prépare avec ses yeux doux un petit coup en dessous. Faut pas croire à ses boniments, il vous ment, et comment. Fichez-lui pour tous ses bobards le pied quelque part.